That's it. On a déjà fait des missions de ce genre. Alors ça devrait pas être très compliqué. Deux patrouilles qui s'échangent de 2 et de 3 au sud-ouest. C'est pas par là qu'on arrive, donc normalement, ça va être ok. Même si je pense que l'objectif principal va se trouver là-bas dans le bâtiment 2. Le plus gros bâtiment pour entreposer des trucs. Mais vous le savez déjà, car vous avez fait la mission. Liberté de tirer si vos shoots sont sûrs et vérifiés. S'il faut demander une vérification à un partenaire, faites-le. Je repère un petit groupe d'ennemis. J'aperçois un petit groupe de cibles. Je suis à l'opposé de vous pour la mission. C'est bien le problème. Mais non, justement, c'est l'avantage. Plus de visuels. On a plus de visuels. Parce que c'est un travail d'équipe. Il y a un mec sur la maison là qui est à l'escalier en hauteur. Il est solo. Ouais, mais il a un mec devant lui en fait. Celui qui est là ? Non, il y a personne devant lui. Le sniper qui est le plus excentré au sud, qui est sur un wagon. Ouais. Il est seul ? Fais gaffe, il y a 3 mecs derrière le wagon sur lequel il est. Ok. Il y a plusieurs patrouilles en fait de plusieurs mecs. Ah oui, je le vois. Je repère un petit groupe d'ennemis. Tu peux le take down maintenant si tu veux. Parfait. Alarme neutralisée. Il a entendu l'alarme, c'est rien. Tout va bien. Il y a une patrouille de 3. Ouais, ils viennent vers vous là. Une grenade de diversion, ça va les faire réagir. Il y a du monde, hein. Ils ont entendu quoi les deux là-bas? Grenade leur. De ma part, chef. Ok. Ils sont bien éloignés de ma position ou pas, Spank? Il y en a un qui revient, qui est là. C'est carte que dalle, hein, c'est incroyable. Il reste trop proche de moi pour que je puisse passer ici. Je vois si je peux contourner. Putain, c'est relou. C'est relou, je remonte sur la route. Il y a un mec qui a salué Asicarius. De la maison verte où j'ai abattu le mec qui était au-dessus des escaliers. Non, au premier étage qui vient de rentrer, ouais. En fait, ils sont 3 alignés à peu près 50 mètres d'écart entre eux, les 3. Rectification 4. J'ai l'objectif sous les yeux. En fait, ils sont 5. J'enquête. Vas-y. Ces plans, c'est sûrement pas pour rien. Ça concerne 235 sombras, et là, il y a le Mourouessa à décrit. On
On a la confirmation que l'objectif est bien sur site. Je répète, l'objectif est sur site. Et les mecs ils repopent ou quoi? Je comprends pas, il y en a non, mille. S'ils sont... Edo, t'as un mec qui se dirige vers ta maison. J'ai vu, deux même. Oh, l'autre les plus loin, il est 15 mètres derrière. Je voulais récupérer la ressource, mais ça va devoir attendre un peu. Pourquoi est-ce qu'il bouge toujours vers là où je suis, quoi? C'est incroyable. Oh là là là. Je manque des tirs, là, sinon. Je me suis éloigné, je continue ma route. J'arrive quasiment au niveau du... du bâtiment 02. Il y a la patrouille de 3 qui revient vers toi. Il y a toujours deux mecs dans ta maison. Quelle direction? Tu peux me donner la direction? Je les vois pas. Ils sont entre deux trains, là. Ok, ça marche. Merci. Il y a un mec en armée en lourde près du hangar où il y a les ressources de soins. Je sais pas de okay. Quel hangar il s'agit. Ouais, c'était l'hangar où j'étais juste avant. Ouais. Okay, le hangar ouvert. Ils sont là-bas. Ouais, mais ils étaient deux. Est-ce que... Je me suis fait soupçonner par un mec qui est tout seul. C'était lui ou pas, Zewin? Non, moi je suis très loin, je suis derrière tous les wagons. Non, je parle à Zewin. Je vais me cacher dans un wagon. Non, je suis très loin là. Je me suis caché dans un wagon, Spank. J'ai buté la patrouille de 3. Je vois un mec pas loin de toi, Edo. Je drone. Ah, ok, ils sont deux. Attention, voiture. Deux, non, c'est bon, c'est des rebelles. Je t'entends marquer des trucs, mais je les vois pas. Ouais, c'est ce que t'as. Je vois à peu près où ils sont. Par là, quoi. Ils sont derrière le bâtiment 02, quoi. Au sud du bâtiment 02. J'arrive au niveau du bâtiment 2. Ouais, bah ils sont derrière la face derrière en fait. Ok, je les vois. J'arrive. Je peux les aligner si. Ah non, plus maintenant. Je suis quasiment là. Je les vois plus par contre. Il y a l'objectif. Ok, ils reviennent vers moi. Je les vois. Je peux prendre le deuxième si tu veux. Je sais pas qui c'est le deuxième en fait, qui arrive face à moi. Celui qui est plus loin. Moi je vais prendre le mec. Ok, tu prends le plus au sud. Attends, je peux plus, j'ai plus de visuel. C'est bon, j'ai un nouveau visuel. Boum. C'est bon. Ok. Tir entendu, quoi? Non, c'était juste avant. Ok, j'ai à nouveau des panneaux. Quelqu'un fait circuler une cargaison appelée Ruessa dans toute la région. Elle s'arrête dans presque toutes les villes. Ça dit pas quelle est la destination finale. Ok. Faut interroger le responsable. Ok, donc là... Ah, il est dans le wagon, what the fuck? Ouais, je le flash et j'y vais. Je balance une flashbang. Qu'est-ce qui branle dans le wagon, quoi? Fuck. Bon, on va pas s'emmerder. Tu parles tout de suite ou tu crèves tout de suite. Nomas, amigo. Oh, il a une petite voix toute mignonne. La Santa Blanca a pris quelque chose dans la base Condor. Qu'est-ce que c'était? Crache le morceau. Por favor. Rosa. C'est un châtiment pour les habitants de Balbechos. Pour les punir d'avoir aidé les rebelles. Les punir comment? C'est quoi, Ruessa? Une bombe sale. Elle va tuer tout le monde. C'est prévu pour quand? Accouche. Yo no sé. Aucune idée. Mec, le doublage est dégueulasse. Ouais, il est un peu pourri. Mais. Le doublage est horrible. Le mec qui parle en français, il a absolument pas la gueule d'un mec moustachu de 40 ans, quoi. C'est incroyable. On a un problème sur les bras qu'il va falloir régler illico. Par contre, tu peux bouger, s'il te plaît? La Santa Blanca a prévu de faire sauter une bombe sale. Merci. À Barbechos. Ah, je suis au courant. Un capitaine de l'Unidad... Putain, à Barbechos, c'est où cette connerie? Barbechos, c'est au nord, ça? Ouais. Putain, il veut faire sauter une bombe? What? Je dirige vers Barbechos. Je devrais arriver sur place avant vous. La bombe, si on peut pas TP, il faut y aller en hélico, il y a un hélico ici. Ok, Zewin? Ouais. T'es sur hélico? Ouais. Non, t'es pas au bon, non? Non, mais c'est pas grave, prenez-le. Ah non, c'est Zewin qui est au pilotage, là. Ok, je suis monté. Allez-y. Je
Vous avez eu les ressources ou pas? Comment? Non, okay. Il me manquait une ressource dans le... Ouais, dans c'est le ça, le deuxième hangar. Bravo. Attention à barbe de choses, c'est chaud, c'est genre la guerre civile quoi. Ah vraiment? Va falloir, ouais, je vais pas te spoiler du coup, mais c'est vénère. Hein. Préparez, mets-toi en mode drone de soin. Non mais c'est le bordel quoi. Mets-toi en mode drone soin et tout. J'ai pas envie de le faire 50 fois. Comment ça en mode drone soin? Bah j'ai le drone de soin, ouais, mais. Et bah parfait. On se parachute? Ou on se pose un peu avant, je pense que c'est mieux de se poser avant, non? Ouais. Atteinte Barbet Joss. Attendez-moi par contre, hein. Enfin, non, vous pouvez aller en marque. Little Brother, ici Nomad, on est arrivé. Comment ça se passe? Se mettre en stand-by si tu veux le temps que t'arrives. Je suis plutôt mal barré. La Santa Blanca a rameuté du monde pour protéger la bombe. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Elle veut pas te voir derrière. Tiens bon, on se dirige sur ta position. Traînez pas. Je pense pouvoir désamorcer la bombe, mais on aura dans les 10 minutes avant que ça explose. Dans quoi les 10 minutes. Quoi? Quoi? Vous avez 10 minutes pour rejoindre le truc. Ok, 10 minutes. Ok, bah on peut y aller. 2 km derrière vous, j'arriverai sur objectif direct. On peut y aller en hélico direct, y'a pas de DCA. Hein. Je me pose sur un toit hein, par contre. Ouais, carrément. Ouais, bah, faites attention à prendre un toit où vous pouvez descendre seul, hein. Vous allez devoir aller au sol. Ouais, ça marche. tu vois le toit avec. Un des toits avec un sorte de petit. Bat, enfin tu vois. Voilà, parfait. Yes. Ok, décale, je peux descendre. Parfait. Attendez que j'arrive. On a 9 minutes, 9. Ouais, je suis à la verticale de vous. La bombe, elle est située où, Spank? T'as les infos? Elle est juste en face de nous, là. Dans le bâtiment rouge, là? Non, c'est le camion avec les 6 packs de jeunes. Citonogène. Oh putain, merde! Et ça, faut faire quoi? Faut le désamorcer? Écoutez les dialogues en fait. Oh, faut le désamorcer, c'est ça? Non, tu touches à rien. Oups. Allez, d'accord. Ok. J'ai fait le con en fait. Je pensais que vous étiez sur objectif, moi. J'envoie le drone sans. Je vais me barrer le plus vite possible. T'es où? Tu me vois sur la carte. Ouais, mais à l'intérieur du bâtiment ou... Non, je suis à côté du camion, devant le camion à droite. Je te vois. Merci. Merde, un mec dans mon bâtiment, il m'a tué. Il est arrivé dans mon dos. Ils sont même deux sur moi. Des lourds en fait, artillerie lourde en plus. Ils dispersent un peu, ils redescendent du bâtiment où je suis. Non mais attends, il y a plein de mecs, ça sert à rien là, du coup il y a énormément de mecs. Faut tirer sur tout ce que vous pouvez. Y'a pas le choix. Tirez sur tout ce que vous pouvez, on a... C'est bon, vous pouvez me drone soin si vous voulez. C'est bon, je l'ai parfait. Fait. Ça monte, on a vu un ou deux montées. Faut parler à Kozak. Là aussi, il y en a un ou deux qui monte. Ouais, il y en a un ou deux qui montent. Il y en a au moins un dans l'escalier avec armure lourde. Ah, il est mort dans l'escalier avec armure lourde. Celui qui m'avait tué. Oh le bâtard, putain. Il avait un étage du dessous. Il me préchotait, genre dans le plafond. What the fuck. Il peut y avoir un autre drone de son ou pas? Moi j'ai balancé le mien, il reste celui de The Wind si elle l'a. Tu mords. Non, il n'aura pas. T'en as plus, t'en as qu'un seul de drone de soin, Spank? Attends, non, je suis en plein combat en fait, là, je peux pas là. Attends. Je vous reste tous les deux. C'est bon pour les deux? Ouais. Ah, les munitions, bordel.
contre, il va falloir parler à... Bon, on a le temps, on a le temps, on a 6 minutes, on a l'objectif, le camion il est juste là et le mec je sais où il est. Je suis passé devant là. Ok. Il reste 2 mecs là. Je vise vers eux, vous me voyez sur votre carte. Il reste plus que 2 mecs. Ah. Allez parler à Kozek, il est dans ce bâtiment là. On va faire les deux qui sont là. Moins 1. Préparer les mines et tout. C'est bon. Kozak, il est mort. Essaie de voir ce que tu peux faire avec cette bombe. Protéger Kozak. Ouais, attention, il y a du monde. Hein. Oh, il y a un convoi, putain. Oh, il y a un convoi. Sérieusement. À toi de jouer. Nous, on se charge d'occuper la Santa Blanca. J'ai repéré un autre ennemi. C'est moi qui s'est cassé le convoi. On a de la chatte. Hein. Attendez, je pose une mine. Ils se rendent pas compte que ce truc va leur péter à la gueule. Je crois que c'est con, ça pète encore. Ils sont au courant de rien. Il y a une deuxième cible. Merci. Attention, ça va éclater la voiture à droite là. Je suis en train de poser une mine. C'est bon. Planquez-vous. Sniper derrière. Sniper ? Sniper, 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 sniper. Il est mort, il est mort, il est mort. Il m'a touché une fois, j'ai fait crever. Je vais appeler des mercenaires. Hélicoptère, et... au nord. Attention à pas tirer sur les mercenaires. Je veux pas d'hélicoptère. Hélicoptère mort. Deux. Sniper. Il est là-bas, là. Voiture, bien joué, Zoin. Wouah, j'ai failli me faire écraser. Oh mec, c'était insane. Oh la caisse, gros. Oh la fin, c'était épique. Sniper. Bah j'ai vu quand t'as rasé en fait. Ouais. T'as pas vu, ça a explosé, elle est partie sur deux roues. Ouais, ouais, j'ai vu, c'était énorme. Oh là là, what the fuck. Y'a toujours un sniper sur ce toit là, et j'ai pas réussi à l'avoir. Toit rouge ou toit blanc? Ici là. T'as pas vigné le bon là. Je suis en thermique, j'ai pas les couleurs. Toit c'est rouge. Lui là. Là. Voiture sur site. Oh merde! Oh, je suis mort! Putain! J'étais pas couvert! Fuck! Et ils ont buté le gars. Oh, ils sont sérieux! Ouais. Bah, il restait combien de temps là? C'était ouf! 2 minutes. Ah ouais? C'était marqué? En fait, Edo, tu vois, ils arrivent non-stop et on prend assez cher. Assez rapidement. Ah ouais, non, mais c'était chaud là. Là j'étais sur les snipers et... Il faut qu'on se répartisse les zones de couverture parce que là c'était le bordel. Ouais, enfin c'est compliqué quoi. Ah ouais, non mais c'est super chaud. Voiture à droite. C'est bon, je conduis. Il faut qu'on évacue la zone. N'essayez surtout pas d'approcher de la bombe. Merde. Il va à pied, Edo ? Ouais. The Wind, je te drop ici. T'es sur l'objectif et que tu nettoies la zone. Okay. Par les choix. Ensuite. Ah, pardon. Pardon. Mais non, mais n'importe quoi, j'ai mis une balle dans la tête. Je vais venir te rêver, je suis juste à côté. C'est dingue ça.
Merci. Merci. Putain, derrière aussi. Derrière, il y a... Sur ta gauche, il y a quelqu'un. Ah, je l'ai vu. Dernier moment, je l'ai vu. Putain, mais crève ! Putain, je leur mets je sais pas combien de balles au mec, il crève ouais, pas. Ouais, c'est ça. Ça bien se passé. Est-ce que tu peux... T'as un drone au res ou pas, The Win ? Oui, derrière toi. Y'a un mec. Oh ok, il fait trop mal. Edo, Edo, t'es au premier étage là-bas ? Je te reste maintenant. C'est où okay. Près de la voiture. Il est mort. Et derrière, il y en a un autre. J'en ai buté un derrière une caisse là où lance-grenade. Ok, je te reste. On se positionne. On prend des munitions. Je prends des mines. Merde. J'en ai déjà mis à l'est là, des mines. Ça va me prendre pas mal de temps. À toi de jouer. Nous, on se charge d'occuper la Santa Blanca. Attendez, je pose une mine. La cible est neutralisée. C'est bon, les deux caisses qui étaient là-bas. Ils se rendent pas compte que ce truc va leur péter à la gueule. Je crois que c'est con, ils sont au courant de rien. Il y a masse mine là où t'es. Attendez, je pose une mine. Ouais, j'en ai posé deux plus loin là-bas. Sniper. Attends. Il me fait trop mal, je peux pas le... Je sais pas où il est. Hein. Il est là, là. Je vise vers lui, il y a un bâtiment là. Là-bas, là. Je vois pas. Putain, je vois sa tête dépasser. Ouh, il est mort. Élimination confirmée. Il y avait là un bout de son cheveu. De... Ouais, ça arrive de là où c'est pas protégé, je crois. Putain, sniper derrière. Il a dit quoi? Un, deux, tres. Sniper encore de plus. Sniper, sniper. Sniper, je ne sais pas où, mais sniper. Sniper sont en plein nord. Il est sur le toit en face de la maison où je suis. J'envoie un troisième. Cible numéro 3. Y'a quelqu'un au sol là? What the fuck, y'a un camion qui passe! Putain! Ah, les snipers ça va pas du tout là. Il m'éclate ces fils de pute. Cible abattue. He's dead. Y'en a d'autres là. Là là. Plein nord. On est au camion, c'est plein nord. Allez, sors de là là. Putain, il est où? Bah, il est mort. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort, chef. Je crois qu'il a pris cher. Je crois qu'il a pris cher. Il est mort. Et il y a lui qui méritait. Il reste 1 minute 50. Non, là-haut. Et là, du coup, je me prépare direct à 1050, je prends le camtar là. Kazak, c'est bientôt fini. Je fais ce que je peux. On va prendre le camion et se barrer, ouais. Je vais le faire au mortier, le sniper du toit. On se prépare, il y a des mecs qui vont arriver, genre de. Par rapport au camion, qui vont arriver plein sud. Pour quand. Le moment où il va falloir le prendre pour se barrer. Bah, go, prends des munitions et mettre des mines, hein, c'est tout. Ouais, faut pas buter des civils la dernière fois, on a eu mission fail à cause du fait qu'on ait buté. Ah ouais ? Oh putain. Ouais. Là ça va, on en a pas eu trop. Là j'ai pas vu, si j'ai vu un rebelle tué, mais j'ai pas vu de civil tué là. On est bien. Attention The Wind, il y a une mine là-bas, je vais la faire péter parce que c'est la partie qu'on prend pour... la route qu'on prend pour se barrer. Voilà, hop. Vas-y, y a pas de voiture là, je pose une mine. Hop. Y'a personne. Putain, je vois des mines anti-personnel, je vois des mines.
barrer. 30 secondes, mais là c'est bon, on a fait ménage hein. Et en gros faut sauter quand le camtar tu l'envoies sur le tremplin. Y'a un civil qui est mort hein. Un mec, allô. Ouais, en fait il faut le balancer, t'es dans la fosse. Ouais, et du coup tu sautes juste avant. Saute juste avant, ouais. Même si t'es au volant. Ouais, le but c'est de balancer le camion dans le trou et qu'il pète au fond. En clair, on est foutu. Vas-y, oui, Zoumine, reviens, monte dans le camion. Non, mais c'est bon, je. Ok. Je vais pas laisser ça. Allez, exécution. C'est bon. La récré est finie, on s'y remet. Bowman, j'ai un colis dont je voudrais me débarrasser. Où est la décharge la plus proche? J'ai une gueule de Google Maps. Il va y avoir des morts. Ok, je vois le genre de colis. Bon, il y a une carrière désaffectée pour très loin d'ici. Envoie un Kozak, il est en plein milieu de la route, buggé. Putain, regardez ça. De la barbe et de choses plata. Propriété aussi de la Santa Blanca, je parie. Y'a pas un secteur économique qui leur échappe en Bolivie. Question à $1 million. Leurs acheteurs, c'est qui? Le pétrole, les minerais, c'est pas parce que ça vient des cartels et des terroristes que ça se vend pas. Putain, merde, je me suis planté dans un poteau. Attention. À 30 secondes, t'es bien. Et si c'est pas le tremplin que t'es en face, c'est pas grave. Ça marche aussi. Beau boulot, quoi. T'aurais pu franchement mal tourner ce coup-là. Ravi de voir que vos vacances en Bolivie vous ont pas rappelé. Elle est bien scénarisée cette mission, c'est juste qu'elle est un peu trop difficile, je trouve. On a les tirs d'activer, quoi. Bah, ça fait mal, hein. Bah, ça fait mal, ouais. Camouflage optique. Au travail, l'ancêtre. T'as sauvé tout un village. C'est quoi la touche pour le camouflage optique? Le prochain coup, je te laisse la main. Ça alors, rien, faut juste l'avoir équipé, c'est un sac à dos et elle reste accroupie. Ah, c'est un sac à dos? Ça fait partie du jeu. Ouais. Tout ce qui compte, c'est accomplir la mission. T'en fais pas, t'auras plein d'autres occasions de montrer ce que tu vaux. Run around, throwing that dirt all on my neck. 'Cause I knew that I-